Ainsi est-il la fin d'une ère. Après 15 ans de bons et loyaux services, Sylvie Tellier serait sur le point d'abandonner les Miss France à leur triste sort. Elle avait rejoint le comité Miss France avant même le départ de Geneviève de Fontenay pour en devenir depuis la directrice générale. Et véritable repère pour les jeunes femmes sacrées dont la vie est chamboulée du jour au lendemain. Mais voilà que Sylvie Tellier préférerait rendre son tablier. Sylvie a souvent dit qu'elle ne s'éterniserait pas à la tête de Miss France. Le moment est venu, a ainsi rapporté un proche aux Parisiens. D'autant que des désaccords avec Alexia Laroche-Houbert, fraîchement nommée présidente de la société Miss France, seraient à déplorer. Selon le magazine Voici, les deux femmes auraient une vision très différente du concours de beauté que la productrice de Koh-Lanta souhaiterait faire prendre un tournant. Ainsi, de nouvelles règles ont été établies, comme la fin de la limite d'âge à 25 ans, l'ouverture aux femmes transgenres ainsi qu'aux femmes mariées et mères de famille. Cela a-t-il été la goutte d'eau pour Sylvie Tellier qui a toujours jugé incompatible une année de règne et une vie avec des enfants? Même Delphine Vespizer, qui au début pensait à une simple rumeur, a confirmé le départ de son ancienne patronne. Je pense qu'il va y avoir effectivement du changement, lâchait-elle dans les colonnes de Télé Loisirs. Interrogée à ce propos, Alexia Laroche-Houbert, elle, préfère jouer la carte du mystère, ne levant pas le voile sur ses rumeurs. Beaucoup de gens s'expriment et si est-il bien regrettable. Il n'a jamais été question non plus, ni dans mes déclarations, ni dans celles de Sylvie, lâche-t-elle dans un premier temps aux Parisiens ce mardi 21 juin, avant de surenchérir, ce sont des rumeurs, Sylvie est actuellement en poste et vous la verrez sur le prime time de l'élection en décembre. Alexia Laroche-Houbert, je n'aille pas à répondre à cette question sauf que cela ne met en rien un terme aux zombies. Rien ne dit que Sylvie Tellier ne profitera pas de l'élection Miss France 2023 pour faire ses adieux. Une multitude de questions nous brûle les lèvres, cette cérémonie sera-t-elle sa dernière? Sylvie Tellier sera-t-elle remplacée par Sinodi Fabre ou par une autre Miss? Alors que nos confrères demandent si Sylvie Tellier occupera toujours ce poste l'année prochaine, Alexia Laroche-Houbert rétorque, elle est directrice générale de la société Miss France, je vous le confirme. Réponse insatisfaisante. Ce n'était pas ma question. Nous ne sommes pas sur le même temps de conjugaison. Lui fait remarquer notre confrère, ne se laissant pas berner par son interlocutrice. Néanmoins, nous ne saurons malheureusement pas davantage. Eh bien, écoutez, je n'aille pas à répondre à cette question, réplique-t-elle, fermement. Affaire à suivre donc.